L'Agence régionale de développement d'investissement et d'innovation, NEXA, a organisé le 31 mai dernier une visite de la délégation du projet Interreg Replace. Cette opération a pour objectif de promouvoir le savoir-faire local en termes d'économie circulaire, renforcer l'image de la Réunion au niveau européen et valoriser les atouts économiques du territoire dans les filières mettant en place des solutions d'économie circulaire. Nous recevons une délégation de personnes de l'Europe, de plusieurs nationalités de l'Europe, et qui sont en visite sur le territoire de la côte ouest au niveau des recycleries, de l'économie circulaire et des associations qui portent cette économie-là. Donc nous avons visité ce matin AGAM qui fait de la récupération de matériel informatique. Nous avons visité Soligom et Solival qui font de la récupération de pneus et qui en font d'autres matières utilisables. Et là nous sommes à Récupère, qui est un tiers-lieu de récupération, de recyclerie, de réparation, qui anime le territoire. C'est très important pour le TCO de recevoir ces personnes pour leur montrer ce qu'on est capable de faire au niveau de l'économie circulaire, du traitement des déchets, de la réutilisation, puisqu'on est sur une île et donc sur un territoire contraint. Et c'est très important pour nous de réutiliser les matières qui sont entrées sur notre île et de créer par là même de l'emploi. Bienvenue à toutes et à tous et j'espère que durant votre séjour au port, vous allez pouvoir ramener avec vous quelques expériences que nous faisons, quelques réussites, mais aussi nous donner de ce que vous savez, de ce que vous avez vu à travers vos territoires respectifs et peut-être nous accompagner financièrement, c'est ce qu'on souhaite parce que l'argent, les crédits européens sont précieux et nécessaires pour la réussite des projets aussi importants. Le projet EP, c'est un projet sur l'économie circulaire avec différents partenaires européens, dont la NEXA de la Réunion. Il y a des pays, il y a la Pologne, l'Italie, la Roumanie, le Portugal, l'Hollande et l'Allemagne qui sont les principaux partenaires du projet, des régions de ces pays. Et donc ils sont venus à la région pour voir les bonnes pratiques qui se font à la Réunion. Et l'idée donc qu'ils aient un aperçu de ce qui se fait à la TCO par rapport à l'emploi et l'économie circulaire.